Et votre invité ce matin, Philippe, le député UMP, président du Conseil Général des Alpes-Maritimes. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Jean-Marc Ayrault ce matin sur un chantier à l'aube. Hier, il était avec des enfants à Matignon. C'est de la com C'est que de la com C'est essentiellement de la com, surtout hier à Matignon. Et j'ai trouvé euh, cette rentrée du Premier ministre quelque peu indécente. Indécente Pourquoi euh, il n'y a que des enfants La communication poussait à ce point, même euh, une forme d'instrumentalisation des enfants. En plus, on sentait le Premier ministre pas vraiment à l'aise dans cet exercice. Sur le djembe, vous voulez je dire Je crois que, que c'est <laughs> la com' poussée à l'extrême et ouais. c'est euh, prendre un peu les Français pour des idiots. Euh, je crois que le gouvernement... Euh, que ce soit le Premier ministre ou le ministre de l'économie, euh, ou même le président de la République, qui a multiplié les déplacements tout le mois de juillet avec une forme de répétition euh, et des slogans très creux en bandoulière le chômage n'est pas en vacances. Les Français le savent, et je crois qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur répète avec une forme de méthode couée que tout va aller mieux, alors qu'ils voient bien qu'au contraire, la situation n'a jamais été aussi dégradée pour eux et pour l'économie française. Alors vous vous dites, c'est un peu indécent que c'est un petit peu euh, surjoué, mais les Français se disent en voyant ça, finalement, ils font du Sarkozy, ils font de la présence médiatique l'été comme le faisait lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République, Nicolas Sarkozy. Non, je crois qu'il y a une énorme différence. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, Philippe Corbet, le problème, ce n'est pas quand les socialistes sont en vacances. Le problème, c'est quand ils sont au travail, quand ils sont en action. Parce que la différence avec Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy était dans l'action et il était dans les résultats. Il cherchait des résultats dans une période très difficile. Aujourd'hui, les socialistes, et on a maintenant un peu de recul, mmh. ça fait 16 mois qu'ils sont mmh. au pouvoir, tous les paramètres économiques se sont dégradés. Tous les paramètres de la sécurité se sont dégradés. Tous les paramètres de l'immigration se sont dégradés. Donc on peut commencer à dresser ce bilan. Euh, tous les, les indicateurs sont doux au rouge. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. Il bat des records. Euh, les déficits publics vont atteindre cette année euh, le record de 4,1 On était sur un rythme de 3 avec Nicolas Ils ont Sarkozy. C'était plus élevé il y a quelques années. Après les, les prélèvements de la crise. Mais euh, on repart. Oui. Les prélèvements obligatoires. Atteindre des sommets, 60 milliards d'euros d'impôts en deux ans de plus. Les Français pu... sont accablés de charges d'impôts, les dépenses publiques qui continuent à augmenter. Bref, les socialistes, je crois, en matière économique, ont tout faux. Et en plus, on a cette forme d'insincérité, de, de cacophonie, mmh. où le, le ministre de l'économie se contredit lui-même. Il vient annoncer la reprise et en même temps, il dit qu'il y aura une décroissance cette année. C'est totalement incohérent. Et ça traduit soit de l'amateurisme, soit de l'incompétence, mais en tout cas une vraie insincérité. C'est peut-être aussi parce que c'est compliqué de, de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'économie française. Hier matin, à ce micro, le patron de Système, Serge Papin, disait qu'il sent effectivement pour la première fois cet été un début de reprise. Il ne l'attribuait pas d'ailleurs spécialement au gouvernement. Mais il y a bien quelque chose qui se passe en ce moment dans l'économie qui ressemble à un frémissement. Il y a une reprise aux États-Unis. Il y a une reprise en Europe. Euh, qui commence à s'amorcer. Euh, donc, donc François Hollande, a pas le président de, président de la, de la République là. Le problème de François Hollande, c'est que il base sa politique. Uniquement sur une supposée reprise ouais. externe, et il pense avec cela faire l'économie sur les nécessaires réformes structurelles dans notre pays. Ce n'est pas cela que, euh, qui convient de conduire aujourd'hui. Ce n'est pas comme cela qu'on s'en sortira. La France a besoin de réformes diminuer les dépenses publiques, diminuer les impôts, engager la réforme sur les retraites. Quand on voit aujourd'hui que finalement cette réforme des retraites qu'on annonçait courageuse va se réduire à une augmentation de la CSG. Ça veut dire que les Français auront la double peine, l'augmentation de la TVA au 1er janvier, l'augmentation de la CSG. Il y a une forme d'addiction des socialistes aux impôts, aux prélèvements obligatoires, chaque fois qu'il y a un problème. On imagine un nouvel impôt ou on alourdit un nouvel impôt. C'est pas comme cela qu'on s'en sortira. Éric Ciotti, si le président de la République, si le Premier ministre, les ministres semblent aussi omniprésents cet été, c'est parce que les ténors de droite, par contre, sont étonnamment absents. On n'a pas entendu Jean-François Copy depuis près d'un mois, plus d'un mois pour François Fillon, comme s'il laissait le champ libre cet été à la majorité. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a une période aussi de, de pause dans l'actualité politique. L'actualité a été très dense jusqu'à la fin juillet. Mmh. François Fillon, à la grande mode euh, euh, fin juillet, a, a posé les grandes bases d'un discours ouais. euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Donc nous ferons une rentrée forte autour de François Fillon dès, dès le 28 août. Il se prononcera dans la presse avant. Donc il y a aussi le temps de la réflexion. François Fillon travaille, a des propositions. Il a formulé cet été, au cœur de l'été, 35 propositions extrêmement importantes, avec notamment sur les retraites le passage aux 65 ans. On euh, n'entend en pas beaucoup parler heures. sur les plages des propositions de François Fillon sur oui, son site mais internet. Je crois hein. qu'elles ont, elles ont marqué, elles sont là. Et et elles vont nourrir le débat à la rentrée, c'est ça qui est important. Alors justement, dans ce contexte où les ténors de droit ne s'expriment pas ou, ou pas publiquement cet été, dans le Figaro ce matin, une, une interview assez étonnante d'un Sarkozyste historique, à la parole assez libre, Patrick Devedjian. il appelle, je cite, à un inventaire sur le quinquennat Sarkozy. Tant que les leçons du passé ne seront pas tirées, nous ne pourrons pas construire de projets alternatifs. Nous nous condamnons à la paralysie ou à la politique du perroquet. Est-ce que vous êtes, vous, Eric Ciotti, pour une forme de droit d'inventaire sur le Sarkozysme il faut qu'on analyse les causes de notre défaite naturellement ça avec pas été fait pour avec lucidité ça peut-être pas été suffisamment fait mais là n'est pas forcément l'essentiel il faut aujourd'hui produire produire préparer construire un grand projet d'alternance avec des propositions très fortes on ne s'en sortira pas je parle de l'UMP, de l'opposition, uniquement en nous basant sur l'échec des socialistes. Bien sûr, les socialistes ont échoué, et je crois qu'ils ont irrémédiablement échoué. Mais nous avons un devoir de vérité, nous avons un devoir de transformation. Il faut aller plus loin que nous avons été sur le chemin de la réforme. C'est ce qui guide d'ailleurs François Fillon. Et ces propositions que nous évoquions il y a quelques instants ont été... Euh, Commenter euh, comme quelque chose de très innovant, de très fort. C'est ce chemin qu'il faut. Est-ce que les propositions de François Fillon sont une forme d'inventaire de l'époque où il était Premier ministre avec Nicolas Sarkozy Bien sûr, il l'a dit lui-même. Il y a une forme d'autocritique. Il faut regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où nous ne sommes pas allés assez loin. Il faut en tirer les conséquences sur les 35 heures, sur les retraites, euh, sur certains sujets régaliens. Et il faut bâtir un projet qui redonne de la confiance aux Français. Les Français ont pu, ont sont aujourd'hui extrêmement déçus par le, mm -hmm. le pouvoir socialiste. Ceux qui ont fait confiance à, à François Hollande savent qu'ils ont été abusés, qu'ils ont été trompés. Mais en même temps, il faut que l'opposition fasse encore ses preuves. Il y a du chemin à faire. Et ce chemin, nous le ferons sur le terrain des idées, des propositions, des projets. Éric Ciotti, député UMP, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, merci d'avoir été l'invité de RTL ce matin.